Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'ordonnancement d'Azeroth. L'ordonnancement d'Azeroth, c'est tout simplement la mise en ordre de tout ce qui va se passer sur Azeroth par les titans. Donc c'est évidemment la vidéo qui arrive juste après l'Empire Noir, les dieux très anciens ont été enfermés dans leur prison. Et donc, eh bien, c'est le moment où en fait les titans vont essayer de faire en sorte que l'ordre soit construit sur ce monde qui est Azeroth, qui, je le rappelle, abrite la monde du titan Azeroth. Donc, eh bien, pour ce faire, nos vainqueurs vont devoir s'occuper d'un problème important et problème principal. C'est tout simplement, je rappelle, il y a trois dieux très anciens qui ont été totalement emprisonnés dans... Donc, on avait Yogg-Saron qui est emprisonné à Ul'Duar. On a notre cher Octoon qui est enfermé à Ankiraj, et on a également Nuzhat. On ne sait pas où il est enfermé, lui par contre, pas encore en tout cas, mais il est enfermé quelque part. Et du coup, le seul qui n'a pas été enfermé, c'est Yarsharash, qui a été, lui, arraché au monde. Ça avait laissé une plaie béante, et de cette plaie béante, eh bien, il va falloir s'en occuper, parce que le problème, c'est que le sang du titan Azeroth s'écoule par cette plaie, une plaie immense, et qu'il va falloir refermer. Or, comment tu refermes et comment tu t'occupes de ça? Eh bien, on a tout simplement, les titans vont créer deux mécanismes pour essayer ça va être des sortes de perfusions pour pouvoir soigner l'amont du titan, à savoir la forge de l'origine et la forge surtout des volontés. La forge des volontés va être construite à Ul'Duar, qui sera à partir de maintenant le quartier général, je dirais, des gardiens et des titans. Sur Azeroth, bien sûr. Les gardiens, je rappelle, c'est les avatars des titans qui leur ont servi pendant la guerre de l'Empire Noir. Normalement, vous avez vu la vidéo, donc c'est bon, mais je le redis juste quand même. Et du coup, l'installation des titans, ce complexe titanique, va être l'endroit véritablement remède pour Azeroth. Ça permettra de stabiliser la blessure et de faire en sorte que, bien que le sang sera toujours là, le puits, ce qu'on appelle le puits d'éternité, sera toujours en place, eh bien, au moins, la puissance arcanique du titan va être canalisée, ça n'endommagera pas l'âme monde. Donc, en fait, on va avoir Ul'Duar qui va, donc avec la forge des volontés qui va être d'un côté, et on aura Ul'Dum avec la forge de l'origine de l'autre, donc une au nord, une au sud, et ensemble, elles injecteront tout ce qui permettra, en fait, on ne sait pas trop ce qu'elles injectent, mais ça permet tout simplement de stabiliser l'état du titan en gestation, et ça va permettre tout simplement, de pouvoir faire en sorte que la vie s'épanouisse, tout simplement. Donc, la forge des volontés et la forge de l'origine, ça va devenir en fait les grands quartiers généraux des gardiens. Le truc, c'est que justement les gardiens ont besoin d'aide, et les titans veulent faire en sorte que le monde soit indépendant, puisse s'autogérer. Et donc pour ce faire, les titans vont récompenser les gardiens, les héros de la guerre contre l'Empire Noir. Et donc, ils vont donner une partie, un fragment en fait de leur pouvoir. On va commencer tout simplement donc à lister les différents gardiens et les différents titans. Donc là, bien sûr, ça va être un petit peu technique. La cosmogonie, normalement, vous avez permis de connaître un petit peu le nom des titans, mais je vais revenir dessus. Donc on va commencer par celle qui est la plus simple à retenir, puisque c'est tout simplement la seule femme du Panthéon, à savoir Eonar, que vous voyez à gauche, qui va donner une partie de son pouvoir, infuser de pouvoir l'un des gardiens, à savoir Freya. Ça doit vous dire quelque chose normalement. Freya, du coup, qui incarne la faune et la flore, et on va dire les espèces vivantes. Donc elle est animée du pouvoir de la nature. Nous avons ensuite Amantul. Amantul qui est le premier titan à s'être éveillé, qui fait don de ses pouvoirs à Odin, mais également à Raden. Donc je le rappelle, il incarne la sagesse et des pouvoirs assez monstrueux, puisqu'il est un peu le chef du Panthéon. Donc vous voyez Odin en haut à droite et Raden en bas à droite. Odin a un œil, les deux ont des yeux en moins, mais Odin on en reparlera. On en reparlera après. Ensuite nous avons donc Aggramar, le combattant, Aggramar le justicier, Aggramar le vif, qui est l'un des deux titans guerriers du Panthéon, même si bien sûr tous sont quand même des combattants, mais c'est surtout Aggramar et Sargeras qui sont les plus vénères, on va dire. Et du coup, Aggramar transmet sa force et son sens de la justice à Tyr. On reparlera également, bien sûr, du gardien Tyr, qui aura un rôle très important pendant l'ordonnancement. Ensuite, nous aurons tout simplement Khazgoroth, qui infusera, donc Khazgoroth, qui est un peu le Vulcan du Panthéon. Il infusera Arkedas du pouvoir de la terre et de la forge, donc il fera en sorte qu'Arkedas devienne un petit peu
le gardien de la forge, le gardien forgeron, mais il le fera ça également pour Mimiron. Mimiron qui est tout simplement le gardien gnome. On reparlera aussi bien sûr de tous les gardiens, donc là-dessus pas de problème. Et enfin on a Golganet. Golganet qui confiera à Thorim et à Odir la puissance de la tempête et des cieux. Donc voilà, Thorim et Odir. Donc vous voyez d'abord Odir et ensuite Thorim tout au bout avec les petites ailettes sur le casque. Alors il a les modèles des gardiens sont pas terribles, malheureusement je dois faire on doit se servir de modèles in-game parce qu'il y a très très peu de représentations artistiques des gardiens, ce qui est assez horrible parce que en plus en jeu les gardiens ils ont tous la même tronche quasiment, par exemple Raden et Thorim en dehors du casque et de la tête c'est quasiment la même armure quoi, il y a juste des petites variantes, donc c'est vrai que là-dessus c'est pas forcément simple. Donc on a ensuite, donc comme je le disais, la forge des volontés à Ulduar qui va permettre de bâtir en fait ce qu'on appelle les forgés, donc les créateurs, les serviteurs des gardiens et par l'intermédiaire des gardiens, les serviteurs également des titans évidemment, et ils vont créer deux sortes de gardiens. Il va y avoir les bâtisseurs d'un côté, donc les bâtisseurs c'est tout simplement ceux qui aident à la création et à la maintenance des différents complexes titaniques. Il y en a beaucoup, hein. Alors vous en connaissez quand même quelques-uns, entre Ulduar, Uldir, Uldum, Uldaman, il y en a pas mal, et du coup, c'est ces créatures-là qui vont veiller justement à ce que tout se passe bien, et ils vont gérer sur tous les complexes titaniques. On a donc les terrestres que vous voyez à gauche, les ancêtres des nains, on fera une généalogie bientôt sur les nains. Ensuite, on aura les Mugus qui sont assez connus pour justement la Pandarie, et enfin les Mechagnomes, hein. Bon, normalement, ça n'intéresse personne, les Mechagnomes, non, je rigole, mais les Cagnomes, tout simplement, qui sont les serviteurs de Mimiron, Mimiron qui est un peu le gardien gnome du Panthéon. C'est aussi pour ça que c'est celui qui est le moins intéressant. Je rigole à tous les fans des gnomes, j'adore les gnomes. Ensuite, nous avons donc d'autres forgés qui vont être créés, à savoir les protecteurs. On a les bâtisseurs d'un côté, alors ça ne veut pas dire que les bâtisseurs peuvent pas se battre, hein, puisque là vous devez vous dire, mais attendez, les Mugus sont pas des gardiens, c'est pas de protecteurs. En fait, bien entendu, c'est pas parce que vous avez des bâtisseurs qu'ils savent pas se faire la guerre, hein. On divise pas non plus comme ça. C'est juste que leur premier, on va dire, rôle est de bâtir. Mais nous avons du coup dans les protecteurs, on a de gauche à droite les Vricools, donc les ancêtres de l'humanité, j'en ai pas mal parlé dans la généalogie sur les humains. Ensuite les Anubisats que vous voyez, donc ces espèces d'immenses gardiens d'obsidienne. Et enfin tout à droite que vous voyez les Tolvir qui sont des sphinx un petit peu, hein, donc des chatons, des chatons de pierre avec montés avec un corps d'homme au-dessus. Donc voilà, des espèces de sphinx vivants. Même si ce sont des êtres, bien sûr, de pierre et d'acier. On a donc à Ulduar 5 gardiens qui vont vraiment gérer un petit peu tout ça. On les voit donc dans les petites bulles. Donc on va commencer par Loken en haut à gauche. On a à droite, nous avons donc Thorim. En dessous de Thorim, nous avons Freya. Tout en bas, nous avons Mimiron, hein, justement un de ceux qui s'occupe de la maintenance d'Ulduar. Et nous avons juste à gauche, là, nous avons Odir. Donc voilà les 5 gardiens qui vont gérer tout simplement. Qui vont gérer Ulduar, et les protecteurs, pour revenir aussi, les protecteurs et les gardiens vont servir aussi à cela. Les protecteurs, c'est ceux qui vont veiller donc sur la défense des complexes titaniques, mais également qui vont s'occuper des prisons des dieux très anciens, qui seront les geôliers tout simplement des dieux très anciens. Et donc, il y aura bien sûr le quartier général Ulduar qui est situé au-dessus de la prison d'Yogg-Saron, et donc les gardiens ainsi que les protecteurs et les terrestres s'occuperont de la maintenance et de la protection d'Ulduar. Raden va pendant ce temps lui mener certains de ses serviteurs, notamment comme vous le voyez les Anubisats, les Mugus et les Tolvir à Uldum, donc à la forge de l'origine. Et à la forge de l'origine, c'est lui qui va essayer de chapeauter un petit peu tout ça. Ça va être son principal job, et c'est pour ça que même si le quartier général et la plupart des gardiens sont à Ulduar, Raden lui sera à Uldum. On y reviendra un petit peu après pour Raden, puisqu'il y a des choses qui vont se passer dans le sud. Mais on va avoir également d'autres bâtisseurs qui vont être créés. Les géants, alors les géants de différents éléments. On a les géants d'eau, on a les géants de pierre, les géants de glace, etc. Attention à ne pas les confondre avec des élémentaires. Je sais que c'est souvent une confusion qui est faite. Alors bien sûr, il y a des élémentaires géants. Et du coup, on se dit, bon bah ça doit être des géants de pierre et tout. Et on va, et même Blizzard l'emploie parfois facilement en disant que ce sont... géants de pierre parfois c'est des élémentaires etc. Ceux-là ne sont pas des élémentaires, ceux-là ce sont bien des forgés, ce sont bien des créatures
qui ont été forgés par les titans et par les gardiens pour pouvoir eh bien, ordonner Azeroth. Donc leur rôle va être tout simplement de façonner la face du monde. Ils vont aider justement la construction des différents complexes titaniques. Si jamais il doit y avoir des chaînes de montagnes qui vont être faites, etc., ou des dangers qui pourraient menacer potentiellement la vie, eh bien ils vont s'occuper de tout ce qui est... c'est vraiment les bâtisseurs, on va dire les maçons du cœur. Non, les maçons tout simplement de la nature. Et enfin, à côté de ça, donc Freya, elle va s'occuper, va surtout pas mal errer sur Azeroth, et puisque, comme on l'a dit, maintenant que justement les gardiens veulent chercher à mettre l'ordre un petit peu sur Azeroth, eh bien la nature va commencer à prospérer maintenant que les dieux très anciens ne menacent pas forcément l'équilibre du monde. Et du coup, eh bien il va y avoir dans cette nature qui émerge des esprits ancestraux, des esprits primordiaux d'Azeroth qui sont directement bien sûr connectés aux titans mais qui ne sont pas des élémentaires. Ou alors, mais bon ça c'est un raccourci que je vais faire, hein, ce serait plutôt des élémentaires de la nature, donc il n'y a pas vraiment d'éléments de la nature mais vous m'avez compris. Et du coup ces forces primordiales, eh bien, on va les appeler les anciens ou tout simplement les dieux sauvages ou les Loa en langage troll, mais également les astres vénérables pour la Pandarie. Ce sont tous des dieux sauvages ou ce qu'on appelle également les anciens. Et c'est justement Freya qui va se lier, puisqu'elle gère tout ce qui est nature, la faune, la flore, donc elle va se lier un petit peu avec ses anciens, et eh bien elle va également les lier aux rêves, alors certains d'entre eux, elle va les lier aux rêves d'Emeraude, notamment au Mont Ijal, le Mont Ijal qui est un endroit très puissant d'Azeroth, au niveau de la nature bien sûr, mais au niveau aussi de la présence magique. Et du coup, eh bien, ils seront liés de leur vivant comme dans leur mort aux rêves d'Emeraude, qui est tout simplement la dimension parallèle à Azeroth, mais la dimension de la nature, tout simplement. Donc oui, Freya a pas mal de pouvoir, hein, mine de rien. Même si elle aura pas un rôle super important dans World of Warcraft. Le destin du coup d'Azeroth, comme on l'avait dit, est confié aux gardiens. Les titans vont s'en aller à présent, hein, puisque ce qui devait être fait a été fait. Les dieux très anciens ne menaceront plus la planète normalement. On s'est occupé justement des gardiens. On les a formés, etc. Ils sont maintenant assez grands pour pouvoir s'occuper de la défense de la planète. Et on va laisser eh bien, la planète s'autogérer. Et on va aller essayer de parcourir les étoiles pour chercher d'autres titans qui, tout comme Azeroth, auraient besoin d'aide face à la menace du vide. Donc le Panthéon eh bien, tourne son regard vers les étoiles et va de nouveau partir en vadrouille pour tout simplement, comme je l'ai dit, trouver d'autres âmes-mondes. On va avoir la carte, donc pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Vous voyez Ulduar, qui est également la prison d'Yogg-Saron. Tout en haut, nous avons alors les bassins. J'en ai pas trop parlé, mais les différents bassins, comme on l'a dit, il y a le Mont Ijal qui est un endroit important pour la nature, mais il y en a trois autres qui vont être des lieux d'expérimentation également des titans pour la nature, et c'est notamment Freya qui en est responsable, avec le bassin de Cholazar que vous voyez tout en haut, le cratère d'Ungoro que vous voyez tout au sud-ouest, et également le Val de l'Éternel Printemps que vous voyez tout en bas, qui est également un des endroits vestiges on va dire que quand Amantul a arraché Yar-Charaj, eh bien certains des morceaux sont tombés vers le Val de l'Éternel Printemps, et du coup eh bien tous ces morceaux ont été enfermés, notamment le cœur de Yar-Charaj, et du coup eh bien c'est une sorte de demi-prison parce que il n'y a plus grand chose à enfermer, mais les restes des vestiges qui pourraient quand même corrompre la terre ont été mis justement là-bas. Et c'est les Mogus notamment qui vont avoir pour rôle de défendre le Val de l'Éternel Printemps. Toujours sous la charge, bien sûr, de Raden. Donc voilà pour ces différents endroits, et c'est des endroits d'expérimentation pour la vie et qui vont faire en sorte d'accélérer, on va dire, la croissance de la vie. Donc comme on l'a dit, justement la vie sauvage va se développer grâce aux différents endroits, parce que on l'a dit, il y a le Val de l'Éternel Printemps, il y a Cholazar et il y a Ungoro. Donc eh bien les premières formes de vie apparaissent, mais il n'y a pas que ça, il y a également bien sûr le Puits d'Éternité qui jouera un rôle plus tard dans eh bien l'accélération de la croissance de la vie. Et pendant cette phase justement primordiale, eh bien il y a une forme de vie spéciale qui va se détacher des autres, à savoir les futurs dragons, les proto-dragons. Et les proto-dragons, le truc, c'est que justement, il y en a un qui va devenir une menace. Alors, je vais pas trop rentrer en détail dans cette vidéo, je vous laisse aller voir la vidéo sur Alexstrasza où je détaille beaucoup plus le combat notamment d'Alexstrasza, d'Isera, de Nosdormund, Maligos
et de Neltharion contre le grand dragon que vous voyez derrière qui s'appelle Galakrond. Alors je sais, ça, il y a beaucoup de noms dans cette vidéo, donc ça va être un petit peu dur de suivre. C'est pour ça que les 5 proto-dragons qui affrontent Galakrond, je vous laisse aller voir ça dans la vidéo sur l'Extraza. Mais en gros, Galakrond est un proto-drake qui a commencé, parce que c'est la nature, hein, il a commencé à bouffer les autres dragons, et à un moment donné, en fait, en grossissant, eh bien, son appétit est devenu de plus en plus insatiable et il a été à moitié corrompu. Alors, on ne sait pas trop par quelle énergie. J'espère juste que le futur ne dira pas que c'est les dieux très anciens. Mais il y a des, notamment, eh bien, il est devenu une espèce de proto-dragon nécromantique et il a commencé à bouffer tout le monde. Et les proto-drakes qui bouffaient se transformaient en proto-drakes mort-vivant et il a commencé à vouloir bouffer tout le monde. Et il allait menacer le monde entier si ça continuait, parce que Galakrond est un dragon aux proportions gigantesques. Et ces 5 proto-dragons vont lutter contre Galakrond, même s'ils ne sont pas du tout à la hauteur sur le papier. Et il y a un gardien qui va justement se rendre compte de la menace que représente Galakrond, c'est Tyr. Les autres vont se dire, on est occupé, on doit gérer Ulduar, on a une maintenance, fermeture des serveurs, tout ça, tout ça. Du coup, il n'y en a qu'un seul véritable gardien qui se rend compte de la menace, du danger. Il va aider les 5 futurs aspects, donc les proto-drakes, contre Galakrond. Finalement, Galakrond sera vaincu. Les 5 proto-drakes plus Tyr en sortent victorieux. Et comme les gardiens, Tyr va pas être content du tout, Tyr va aller voir ses copains gardiens et va dire « Eh les gars, vous avez déconné, vous rendez compte de la menace que représentait Galakrond ?» Et même si Galakrond a été vaincu, les autres gardiens finalement voient ce qu'était Galakrond et se disent « Putain, c'est vrai qu'en fait... on a été nul, on aurait dû venir aider. » Et du coup, c'est notre cher Tyr dit attendez, les proto-dragons, j'ai combattu avec eux, ils ont été vaillants, ils ont été courageux, braves, ils ont lutté contre quelque chose qui les dépassait complètement. On doit les récompenser, et je pense qu'ils ont été les protecteurs du monde. Donc en tant que protecteurs du monde, on pourrait justement leur donner les pouvoirs qui vont avec et leur permettre d'agir pour, encore une fois, pour justement la sauvegarde et la survie d'Azeroth. C'est la première, ça fait partie des premières races vraiment natives d'Azeroth, hein. Et du coup, les autres gardiens, effectivement, sont convaincus par Tyr et disent « Ok, sauf un !» Celui que le Panthéon avait nommé comme Prima, à savoir le chef des gardiens, celui qui s'était le plus illustré pendant la guerre contre l'Empire Noir, à savoir Odin. Et Odin, il dit « Non, non, c'est une sous-race, hein, c'est une sous-race, donc je ne m'en occuperai pas. » Odin il est pas content, tout le monde est d'accord sauf lui, donc Odin il s'en va et il claque la porte et il s'en va et les autres font bon, on s'en fout de lui même si c'est le chef et que on l'écoute très bien, mais là il déconne, il est juste jaloux parce que ils ont protégé au lieu de lui, il est pas venu pour protéger et les autres ont protégé, donc nous on estime que les dragons méritent. Et du coup ils vont servir de catalyseur pour que les titans transfèrent une partie de leur pouvoir aux aspects. Donc au final, chacun va transférer une partie du pouvoir des titans, mais c'est bien les titans qui vont conférer leur pouvoir aux dragons, parce que ça a été un peu changé, mais au final, c'est les gardiens qui vont transférer ce pouvoir, qui vont servir de catalyseur encore une fois, pour que les aspects aient une partie des pouvoirs des gardiens. Mais j'en reparlerai dans une autre vidéo, très probablement. Donc Odin, lui, il s'estime floué par cette décision. Et du coup, il va s'isoler de plus en plus, et va partir dans son coin, et va faire... les dragons, je suis pas du tout content, les gardiens ont fait n'importe quoi, en plus sans me consulter, malgré mon avertissement, malgré avoir dit que ces sous-races pouvaient, probablement si on leur donnait trop de pouvoir, ils pourraient se retourner contre le monde, ils m'ont pas écouté alors que je suis leur chef, moi aussi je vais monter ma propre armée, je vais avoir mes propres aspects moi aussi, je vais avoir ma propre armée, les gardiens ont voulu avoir les dragons et les forgés, moi je vais me faire mes propres forgés qui seront bien plus puissants. Et du coup il va avoir un plan. Il commence à concevoir un cycle qui pourrait permettre justement aux meilleurs forgés par les titans de s'élever et de devenir son armée personnelle. Et c'est comme ça qu'il va avoir l'idée de créer les Valarjar. Donc les Valarjar, c'est tout simplement des vricules, donc des forgés par les titans qui à la base sont des protecteurs. Et bien il va se dire que les meilleurs d'entre eux pourraient devenir son armée d'élite. Et il va vouloir créer un endroit justement qui s'appelle la salle des valeureux ou le hall des valeureux comme vous préférez. Et il va, pour ce faire, appeler un des... Alors, ce sont des gardiens, mais ce ne sont pas les gardiens primordiaux, mais dans les sous-gardiens, on va dire, nous avons Elia. Elia qui est un petit peu la fille adoptive d'Odin. Odin la considère comme sa fille adoptive, qui l'a aidé notamment à concevoir les prisons élémentaires. C'est Elia qui s'est occupé des prisons élémentaires avec les titans. Donc,
on a eh bien cette ce qui est appelé sorcière, mais à la base elle est gentille, Elia, hein, elle est très très gentille. Elle va eh bien créer une poche dimensionnelle, encore une fois. Elle va élever une salle dans les airs et créer une sorte de poche dimensionnelle arcanique où eh bien les Odin va créer une espèce de d'après-vie où il pourra accueillir les Valargeurs. Le problème, c'est qu'il a pas ces pouvoirs-là, Odin. C'est des pouvoirs sur la mort et il les a pas. Donc, lui, il a des pouvoirs titaniques, donc des pouvoirs des arcanes. Il a pas ces pouvoirs sur la mort. Donc, eh bien, par contre, il sait qu'il peut se servir pour essayer d'entrer dans le domaine de la mort, à savoir les Terres d'Ombre. Et dans les Terres d'Ombre, eh bien, Odin, alors c'est encore un petit peu nébuleux pour le moment, mais on aura probablement plus de détails, notamment à Shadowlands, c'est certain même. On sait, eh bien, qu'il est rentré dans les Terres d'Ombre. Et qu'il a fait un pacte là-bas où il a sacrifié son œil, ça doit vous rappeler aussi quelque chose. Il a sacrifié son œil pour pouvoir avoir la connaissance, et notamment la connaissance sur le monde des morts, et pouvoir être une sorte de mini geôlier, une sorte de gardien des âmes, et pouvoir justement créer son petit paradis là, créer sa salle des valeureux où il pourra transférer les âmes des combattants les plus nobles qui le serviront. Le problème, c'est qu'une fois que la salle des valeureux est créée, donc le sorte de paradis éternel où les guerriers pourront se battre et protéger Azeroth et défendre le monde comme Odin le veut, le problème, c'est que quand tu échanges ton œil contre la connaissance et que tu dois avoir un passage entre le monde des vivants et la réalité, on va dire, et la salle des valeureux, eh bien il faut des transferts. Et pour les transferts, ça veut dire qu'il faut des passeurs, des gens qui vont transférer les âmes des morts. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui a... pas grand monde de volontaires, on va dire. Et le problème, c'est que... Odin, il n'est pas content. Il n'est pas content, et lui, il veut son armée. Il est un peu... voilà. Il est un peu bougon, le petit Odin. Et à ce moment-là, eh bien, il choisit... il voit que personne n'est volontaire. Et il commence à vraiment pas être content. Il va avoir un houleux débat, un houleux échange avec Elia. Elia commence à lui dire, attends, on va peut-être un peu loin, là. En plus, tu laisses les autres gardiens de côté... Tu vas un petit peu à l'encontre de la volonté de nos créateurs, tu vas à l'encontre des faiseurs, tu vas à l'encontre des titans, est-ce que tu voudrais pas en parler aux autres? Et Odin, il est vraiment pas content, il fait, bah écoute, j'ai pas de volontaire, c'est toi qui va être la première Valkyrie, c'est toi qui va être... de toute façon, je te soumets à ma volonté, t'as pas le choix, et tu vas devenir tout simplement la première Valkyrie. Et du coup, Elia, elle a rien demandé à personne, elle a fait tout ce qu'on lui a demandé, et sa récompense, c'est de voir son corps se briser, et de devenir une esclave de la volonté d'Odin, qui va servir juste de passeur entre le monde des vivants et celui des morts. Et des fois la vie peut être peut-être pas très gentille. Donc ça, c'est un problème, parce que Elia ne lui pardonnera jamais pour cette trahison et pour ses actes. Pendant ce temps, vidéo sur la cosmogonie, je vous le rappelle, on a un gentil petit titan qui est passé du côté obscur de la force. Et eh bien, il considère que tous les Jedi maintenant doivent être... que toute la vie est menacée par le vide. Et il décide eh bien, de faire sa Burning Crusade, bien sûr. Sa croisade ardente, sa croisade démoniaque. Et il va... Donc, il avait déjà libéré les démons. Et avec sa légion, il va commencer à écumer le cosmos et à massacrer tout ce qui pourrait eh bien, servir au vide dans potentiellement sa guerre contre la vie. Et du coup, eh bien, Sargeras, lui, c'est le jardinier qui tranche à la racine, hein, pour que ça repousse mieux. Donc je vous laisse aller voir la cosmogonie encore une fois. Mais il va, en écumant les mondes et en détruisant tout ça, il va tomber sur un monde surveillé par les titans. Alors je vous passe le nom. J'ai envie de le dire, mais je vous le passe quand même, parce que le problème, c'est qu'il y a déjà beaucoup de noms, donc on va éviter de vous embêter. Il y a un autre terme qu'il va falloir que vous appreniez, c'est ce qu'on appelle un constellaire. Le constellaire, c'est tout simplement quelqu'un qui est pas très malin et qui vient des étoiles. Non, pas du tout. Un constellaire, c'est tout simplement un gardien aussi, un gardien envoyé par les titans qui s'occupe, si jamais le monde qu'ils ont ordonné faillit, échoue, eh bien à ce moment-là, le constellaire débarque et il appuie sur le bouton reset. En gros, la vie... elle revient à l'état primordial, on s'occupe de tout, ça détruit tout, et ça permettra de relancer la machine de la vie, en fait. Donc ça, c'est le constellaire. Or, Sargeras, il tombe sur un monde donc ordonné par les titans, et il croise le constellaire, il lui fait « On n'a plus besoin de toi ». Et il le fracasse. Le truc, c'est que ça va... Le constellaire, il a eu le temps d'avertir Agramar, qui était, je le rappelle, l'ancien disciple
l'ancien disciple de Sargeras, et son meilleur ami hein, d'ailleurs. Donc Aggramar voit Sargeras, sauf que Sargeras physiquement il a beaucoup changé, hein, il est passé de ce qui est à gauche jusqu'à tout à droite, enfin tout ce qui est à droite, et il est Aggramar, quand il voit ça, il est estomaqué, il est complètement abasourdi devant la métamorphose physique qu'a subi Sargeras, et il se dit, mais qu'as-tu fait mon frère? Qu'as-tu fait? Et Sargeras lui dit, le mal c'est vous, ce sont les titans, et il lui dit, mais tu vois pas que le mal absolu, tu le sais maintenant, non pas du tout. Et là, à ce moment-là, il y a Aggramar qui lui dit, il y a Sargeras qui dit, tu ne peux rien faire, je te domine. Aggramar dit, Sargeras dit aussi, c'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une lutte entre Aggramar et Sargeras qui commence. Et ça va partir sur... Enfin, c'est une grosse baston, hein, faut imaginer, parce que là je parle juste d'une bagarre, mais c'est pas une bagarre, hein, c'est imaginer deux êtres cosmiques qui s'affrontent, qui se rentrent dedans. Deux des plus puissants guerriers que le cosmos ait connus, ils se rentrent dedans, ça fait des étincelles, hein, et ça va d'ailleurs détruire les mondes environnants. Et le truc, c'est que par contre... Sargeras, malgré tout, grâce à ses pouvoirs démoniaques, est vraiment maintenant supérieur à Aggramar. Et Aggramar le sait, il le sent qu'il est battu, il ne peut rien faire. Et il se dit, bah, tout seul, je pourrais jamais le battre, il faut que j'ai l'aide des autres titans. Donc il va partir, il va battre en retraite. Et à ce moment-là, il prévient tout le monde. Évidemment, pendant ce temps, Sargeras, lui, détruit les mondes environnants. Et quand justement tous les titans arrivent pour arrêter Sargeras, Aggramar est le premier justement qui va encore une fois essayer de raisonner Sargeras. On a justement Amantul qui va le prévenir, il va faire arrête, je comprends que tu sois complètement, on va dire, sous la psychose de la menace du vide, mais tu peux pas faire ça, et surtout t'inquiète pas mec, on a de l'aide qui arrive, on a un titan, on a une âme monde qui est ultra puissante qui s'appelle Azeroth, et tu verras, elle s'occupera de tous nos problèmes. Sauf que là Sargeras lui, là, quoi ? Un titan ultra puissant ? Plus puissant que moi et plus puissant que nous autres ? Mais vous ne vous rendez pas compte ? Le vide va vouloir le récupérer et en faire son titan du vide ! Et la création sera perdue, tronquée à jamais ! Et donc en tant que grand jardinier, il veut s'occuper de cette mauvaise herbe, évidemment. Parce que c'est un grand jardinier, Sargeras. Donc à ce moment-là, eh bien, c'est la pagaille, et Sargeras va lâcher toutes les légions démoniaques sur les titans. Donc lui et les légions démoniaques contre les titans. Aggramar, pendant la bataille, donc les titans, eh bien, ils galèrent un petit peu, hein, parce que l'énergie démoniaque, c'est un petit peu l'opposé de la puissance arcanique, et du coup, elle est même assez forte. Donc ils ont vraiment beaucoup de mal à combattre les démons, les titans, et notamment bah, Sargeras lui-même, hein, qui mène les troupes. Et au final, face à ce combat, les titans luttent vaillamment, comme je le disais. Mais à un moment donné, en fait, eh bien, l'explication d'Amantul a un petit peu perturbé Sargeras. En voyant cela, Aggramar se dit peut-être qu'il est en train de revenir à la raison. Donc il vient le voir et lui fait... il le supplie une nouvelle fois d'abandonner sa folle croisade, sa folie furieuse. Et le truc, c'est qu'en fait, juste Sargeras, lui, il était en train de cogiter sur ce qu'il allait faire. Il était absolument pas en mode « je vais changer, j'ai changé, je dépose les armes ». Donc, bah, c'est Aggramar qui avait lâché son arme et qui implorait Sargeras qui va coûter en premier lieu de son épée. Sargeras va trancher en deux Aggramar, le pauvre Aggramar est complètement terrassé sur le coup. Et... à ce moment-là, Sargeras va lancer une immense pluie de feu sur justement les autres titans, une espèce d'immense tempête de flammes. Et les titans savent qu'ils ont perdu, c'est le coup final, c'est le moment où ils vont être achevés. Donc dans un dernier geste de désespoir, les titans vont s'unir et vont réussir à créer une espèce de poche parallèle que l'on appellera plus tard tout simplement le Panthéon en fait. Hein. C'est l'endroit où vraiment le Panthéon, les esprits des titans vont se sauvegarder là-bas. Par contre, leur entité physique, leur corps physique vont être détruits, vaincus par Sargeras. Et d'ailleurs, Sargeras croira pendant des millénaires que eh bien, les titans ont été détruits, qu'il est le dernier titan vivant, en dehors des âmes mondes qui vont éclore un jour et former de futurs titans. Donc c'est d'ailleurs à partir de là que notre cher Sargeras eh bien, traquera Azeroth partout dans le cosmos. Dans une tentative complètement désespérée, parce qu'ils sont enfermés du coup dans le Panthéon, les titans vont essayer, eh bien, comme ils ont plus d'âme, ils ont plus de support physique, ils ont plus de corps, ils vont se dire, bah écoutez, on a créé les gardiens sur Azeroth, on va essayer, en plus Azeroth maintenant est menacé par Sargeras, on va essayer de récupérer les gardiens comme entité physique, comme corps.
Le problème, c'est que ça n'a pas du tout marché. Les titans sont tellement puissants que malgré que les gardiens soient très très puissants pour nous, eh bien ça suffit pas. Les titans sont des êtres encore une fois cosmiques et ça échappe complètement aux gardiens. Donc quand les titans vont essayer de s'infiltrer dans les corps des gardiens, les gardiens vont ressentir justement le poids des années, le poids de leur immense pouvoir et avoir des souvenirs qui ne sont pas les leurs qui vont les envahir. Mais ça va repartir comme ça, d'un autre coup. Et en fait, ils se rendent compte que bah, ça fonctionne pas. Les titans sont bloqués dans le Panthéon et ne peuvent pas prévenir justement les gardiens de ce qui s'est passé. Le truc, c'est que les gardiens, eux, ils ont ressenti plein de choses, plein d'émotions d'un coup. Et ils sont complètement sous le choc. Ils savent pas ce qui s'est passé. Ils ont compris qu'il y avait un truc avec les titans. Mais ils comprennent pas de quoi. Et du coup, justement sous le choc, ils vont appeler les titans. Les titans ont toujours répondu à leur appel, notamment quand ils avaient infusé les dragons. Donc, bah là, les titans ne leur répondent pas. Donc ils sont complètement sous le choc. Ils sont tous désemparés et certains vont complètement tomber dans une solide dépression. Par exemple, Loken et Raden vont vraiment très très mal vivre justement cette absence de réponse de leur créateur. Hein. N'oublions pas que c'est leur maître qui ne répondent plus au téléphone et c'est embêtant. Quand t'appelles maman ou papa et que papa et maman ils répondent pas, bah, et que t'as besoin d'eux en plus parce que tu comprends pas ce qui se passe, et bah ça fait mal. Et c'est ce qui se passe pour les gardiens. Et le plus affecté hein, dans ce malaise, dans ce silence qui ne fait que s'intensifier, c'est Loken. C'est Loken qui va vraiment vraiment mal le vivre. Et Raden, lui, il est un petit peu isolé, il est à Uldum, il est quand même un petit peu loin, même si c'est pas loin d'Alqueraj, il est quand même loin. Alors que Loken, lui, il est juste au-dessus de la prison de Yogg-Saron. Et Yogg-Saron, ça le sent. Il sent justement ce doute, ce désespoir qui commence à gangréner le cœur des gardiens. Et il se rend compte que le plus faible, on va dire, enfin, quand je dis le plus faible, c'est le plus affecté par cette histoire, c'est Loken. Donc, en sentant ce doute, justement, il va essayer de le troubler encore plus et il va essayer de lui murmurer, bien sûr, à l'oreille certaines choses. Et au final, Loken va résister. On pourrait se dire, enfin, justement, c'est le moment où il va succomber. Pas du tout. Loken va quand même continuer à faire preuve de sa détermination. Il va réussir à résister aux appels du dieu très ancien. Mais le truc, c'est que du coup, il va quand même finalement chuter à cause de l'amour. C'est le pouvoir de l'amour cette fois-ci, eh bien, il aurait été fatal pour Loken. Parce que Loken était amoureux de Sif. Sif, qui est tout simplement la femme de Thorim, donc un de ses frères gardiens, donc qui veut se taper la meuf de son copain. C'est pas très sympa, Loken. Et cet amour extra-conjugal va devenir une obsession. Yogg-Saron va la transformer en juste une petite idylle, une petite romance en fait furtive. Il va la transformer en obsession pour Loken. Loken va être obsédé complètement par Sif et va vouloir s'emparer d'elle au sens propre comme au sens figuré. Et il veut tout simplement rendre public leur histoire d'amour. Sif, elle est en mode bah non, c'est juste une histoire de cul. Alors me demandez pas comment les gardiens et tout ils font alors que ce sont des êtres de pierre et de fer. Non, hein. C'est des histoires de cul de pierre. Et du coup, eh bien, les gardiens, enfin, Thorim, lui, c'est ça. Lui, il a pas du tout connaissance de ce qui se passe. Le problème, c'est que Sif, quand justement, elle met fin à la relation, Loken, eh bien, il est déjà son papa et sa maman lui répondent pas, et maintenant, celle qu'il aime lui dit par la maman. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué pour lui à vivre. Ça va le ronger complètement de désespoir, de chagrin, et il va devenir complètement fou. Il va devenir fou, il y a plus la raison va lui échapper. Et à ce moment-là, eh bien, il va faire le geste interdit. Il va tuer Sif, la femme de son frère, la femme de Thorim. Et le truc, c'est que lui-même, en fait, il est pas super content de ce qu'il a fait, hein. C'était un geste impulsif. Et il a tué Sif, et derrière, eh bien, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué celle que j'aime, j'ai tué celle que j'aimais, qu'est-ce que je viens de faire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il va se dire, je peux pas aller voir Thorim, j'ai trop honte de ce que je viens de faire. Je vais essayer de cacher mes actes et je vais essayer de il faut qu'il y ait un responsable. Je vais donner le corps à Thorim et je vais essayer de trouver un responsable. Du coup, Thorim, bah, comme vous le voyez, il est pas super content d'apprendre que sa femme a été tuée. Et Loken va cacher son méfait en disant que c'est pas lui, mais des forgés qui se sont retournés contre Sif. Il y a eu une rébellion chez les forgés, donc je rappelle les serviteurs des gardiens. Et il va dire que ce sont les géants du feu qui ont assassiné sa belle et tendre épouse.
Thorim est pas content du tout, et Thorim, eh ben, il va vouloir traquer les géants de feu, et il va tous vouloir les fracasser. Parce que Thorim, c'est pas un cérébral, c'est muscleur, et il veut leur fracasser la tronche. Non, mais surtout, il avait un amour profond pour Sif. Du coup, il est complètement bouleversé, et il va commencer à massacrer les géants de feu. Et il va amener justement ses propres serviteurs, ses géants de foudre, dans une guerre contre les géants de feu. Le truc, c'est que Loken, petit à petit, est de plus en plus corrompu par Yogg-Saron, et Yogg-Saron va apparaître sous la forme d'un être, d'un fantôme, à savoir si, le fantôme de Sif, celle que Loken aimait. Et c'est justement l'esprit de Sif qui va lui glisser des mots, qui va lui dire « Hey, faudrait que tu fasses ça, hey !» Faudrait que tu dises à Thorim en fait que c'est pas toi qui l'a fait, c'est l'autre. Et petit à petit, eh bien, c'est comme ça que Loken va avoir des idées et va commencer à agir un petit peu dans le dos de ses propres frères et sœurs, à savoir ses autres frères et sœurs gardiens. Et à un moment donné, Loken va justement, Sif va lui glisser l'idée que qu'il est absolument pas fier, elle est absolument pas fière de ce que fait Thorim, et il est en train de créer une guerre entre les différents forgés, entre géants de feu, et géants de tonnerre, et du coup il est vraiment pas content, enfin Sif serait pas contente. Loken du coup le dit justement à Thorim en mode mais tu sais que l'esprit de ta femme, enfin ta femme aurait honte de ce que t'es en train de faire et de ce que tu fais, tu es aveuglé par sa rage, même si ton amour est profond et sincère et je le respecte, tu es en train de foutre le bordel à Ulduar, t'es en train de foutre le bordel dans les endroits qui sont consacrés. Les forgés qui étaient unis, tu es en train de créer une fissure qui pourra peut-être jamais être corrigée. Et là, Thorim se rend compte aussi de ce qu'il est en train de faire, et les paroles de Loken vont avoir un rôle très important, et il prend conscience de ce qu'il fait, et ça va le bouffer en fait. L'expérience d'avoir senti justement cette immense sensation d'avoir été infusé par les titans, et que l'échec, on va dire, de l'appel Skype avec les titans l'a clairement affaibli. La perte de sa femme et maintenant le fait que justement c'est lui qui fait en sorte que les propres forgés qui ont toujours été unis se désunissent et se battent, se foutent sur... Enfin, c'est la guerre entre les géants. Bah, il le vit mal, Thorim. C'est un raz-de-marée qui arrive sur lui, un raz-de-marée émotionnel qui arrive sur lui, et là, il va complètement tomber en dépression, et il va s'exiler, il va partir en exil. Il dit qu'il a failli à sa tâche, qu'il ne mérite plus de porter le titre de gardien, et il s'en va, tout ça. Il va commencer à dépérir seul, et il est complètement dépressif dans son coin. Loken a réussi, du coup, à chasser l'une des menaces les plus importantes, à savoir Thorim, et il se dit, voilà, Loken met fin à la guerre qui était en train de gangréner, justement, les titans. Les géants, pardon, les titans, pas les titans, les géants, et les géants de feu et de tonnerre, du coup, seront vaincus par une nouvelle armée que l'esprit de Sif lui a glissé, lui a dit, il faut que tu te forges ta propre armée, Loken, il faut que tu aies ta propre armée de forger pour pouvoir lutter contre, pouvoir remettre l'ordre, justement, au milieu des gardiens, au milieu d'Ulduar, etc. Du coup, cette armée nouvellement forgée, eh bien, va mettre fin à la guerre, et à ce moment-là, ils se rendent compte que c'est forgé, justement, pendant les conflits, eh bien, commence à avoir une espèce d'affliction, une espèce de malédiction qui les envahit et qui les affaiblit profondément. Et là, il se rend compte en fait qu'il y a une malédiction, donc cette malédiction qui affecte ses troupes, c'est ce qu'on appellera la malédiction de la chair. Petit à petit, ses propres soldats, qui sont censés être des immenses guerriers de fer, d'acier ou de pierre, eh bien, deviennent plus fragiles puisqu'ils ont une peau qui est faite de chair et plus de pierre ou de fer. Et ça, eh bien, il comprend pas la forge des volontés, normalement elle est censée être parfaite, comment elle a pu faire produire des créatures faiblardes comme ça. Et du coup, il va essayer d'appeler l'esprit de Sif, et l'esprit de Sif ne lui répond plus. Du coup, là il comprend la supercherie, il comprend qu'il vient d'être la marionnette, le pantin d'un être bien plus puissant que lui, à savoir le dieu très ancien Yogg-Saron, qui était enfermé. Et les derniers vestiges de sa clarté, de sa raison, Loken va totalement être détruit par justement cette nouvelle, et la dernière clarté de Loken s'évanouit, s'évapore, c'est fini, il est complètement fou, là, il est tombé en pleine folie maintenant, trop d'épreuves pour Loken, il a tué celle qu'il aime, ses parents ne lui répondent plus, il a perdu, là il vient de détruire son frère, etc. Loken est complètement perdu, et il va devenir encore plus la marionnette de Yogg-Saron.
Et il se rend compte aussi que la forge des volontés a été justement corrompue par Yogg-Saron, et c'est ce qui fait que maintenant la malédiction de la chair envahit toutes les créatures forgées et elle se répand entre les créatures, et même celles qui avaient été forgées avant, eh bien, sont affectées par cette corruption. Et c'était quand même l'œuvre des titans à la base, donc Loken il le vit très mal, parce que en plus de plus avoir l'appel de ses parents, eh bien il a cassé leur création, donc il est vraiment pas bien. Et en se rendant compte de toutes les merdes qu'il vient de causer, Loken il veut essayer de cacher tout ce qu'il a fait pour pas que les titans découvrent ce qu'il a fait, et il veut voilà essayer de se cacher le plus possible. Il fait profil bas quoi, il veut faire profil bas. Le problème c'est qu'il se rend compte qu'il va y avoir une menace qui va s'opposer à lui. Si Odin apprend ce qu'il a fait, Odin qui est le plus puissant des gardiens, bah c'est fini pour lui. Donc à ce moment-là, il se dit il faut que je neutralise Odin. Il faut que je neutralise Odin, qu'il puisse plus me porter préjudice. Et là, à ce moment-là, il se dit tiens, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider dans cette tâche. La petite Elia, elle a mal vécu, hein. Sa fille adoptive, elle a mal vécu justement le fait que Odin lui ait brisé son corps et l'ait transformé en Valkyre. Et les sœurs et les nouvelles Valkyres justement qui sont les servantes d'Elia, eh bien Elia se dit, c'est vrai que Loken, ta proposition est plutôt alléchante. Hein. Moi, j'ai promis de me venger et je me vengerai. Et Loken va tout simplement briser le lien en fait qui unit Odin et Elia, pour justement qu'Elia puisse se libérer du joug d'Odin. Et à ce moment-là, eh bien, elle va la poche dimensionnelle qui servait à Odin pour la salle des valeureux, eh bien, deviendra sa propre prison. Elia va tout simplement se servir de ses pouvoirs pour enfermer les Valar Jar et Odin dans justement le hall, la salle des valeureux. Ce qui fait que ça va devenir comme les prisons élémentaires en fait, hein, sauf que là c'est une prison arcanique où il va y avoir tout simplement Odin, une sorte de mini paradis qui va être enfermé. Et Elia, bah, elle est bien contente de s'être vengée et elle va faire sa propre poche dimensionnelle, Elheim, où elle va continuer justement le transit entre les Valkyres morts vers, enfin donc la réalité avec le cycle de la mort. Eh bien elle reprend l'idée de Hall des Valeureux, mais elle va le pervertir entre guillemets en ayant sa propre poche dimensionnelle, Elheim, où les âmes des morts vont aller et vont hanter les flots, hanter justement tout ce qui est le domaine marin. Donc ça c'est très important, puisque c'est la corruption d'Elheim, puisque Elheim, c'est l'endroit justement où Elia, eh bien, a ronche son frein depuis très très longtemps, et c'est là où on va dire sa colère, parce que même si elle a réussi sa vengeance, eh bien la vengeance ne suffit pas et elle est toujours très amère de ce qui s'est passé. Et ça a eu des profondes conséquences sur sa propre apparence et sur l'endroit, sur ses sœurs. Et c'est là où justement les Valkyres, notamment une bonne partie des Valkyres, vont la suivre. Certaines vont être enfermées aussi avec Odin, et d'autres vont être bloquées entre les deux mondes. Et c'est ces Valkyres-là seront les gardiens des âmes justement des mortels normaux qu'elles enverront aux Terres d'Ombre. Donc même les Valkyres vont être séparées entre les Valkyres qui servent Elia, les Valkyres qui servent Odin et les Valkyres qui continuent leur œuvre de base en fait, leur œuvre originale. Pendant ce temps, pendant la lutte contre Odin, eh bien Mimiron il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'est le plus malin de tous les gardiens, c'est l'ancêtre des gnomes. Donc il se dit, il y a quelque chose qui va pas dans le bricolage là. Et il se rend compte que la Forge des Volontés, elle produit, il voit qu'il y a justement de plus en plus de problèmes avec la malédiction de la chair, il voit qu'il y a des forgés qui sont devenus beaucoup plus faibles, et du coup il s'inquiète de ça, Mimiron, il va voir la Forge des Volontés, et c'est à ce moment-là où Loken va frapper, et il va assassiner le Mimiron, il va tout simplement lui mettre un coup d'épée dans le dos, il va le poignarder, et Mimiron, donc Loken pense que Mimiron a été tué, mais les serviteurs de Mimiron, les mécagnomes, vont réussir, en fait Mimiron a réussi à sauvegarder sa mémoire, sauvegarder son âme en fait, il a perdu son corps, mais il a sauvegardé son âme, un peu comme les titans l'avaient fait avant, et les mécagnomes vont lui reconstruire justement un corps, et ils remettront justement la conscience de Mimiron dans ce corps. Le problème c'est que pendant le processus il y a eu un petit souci, et Mimiron va devenir une espèce d'automate et oubliera complètement ce qui s'est passé, et il va continuer de maintenir Ulduar à flot, mais c'est tout, il fait la maintenance et c'est tout. Mimiron a perdu ses facultés mentales, je dirais, et spirituelles. Ensuite Loken va alors se retourner contre les deux gardiens qui pourraient encore menacer son autorité à Ulduar, à savoir Freya et Odir. Donc il se retourne contre eux, et maintenant en plus il est infusé un petit peu entre guillemets du pouvoir de Yogg-Saron. Yogg-Saron l'aide, et Loken du coup va se servir de ses pouvoirs pour mieux défaire Odir.
donc Odir qui sera placé en stase à Ulduar. Et enfin, on aura Freya, donc dans un duel épique entre Freya et Loken. Et eh bien Loken réussira finalement à triompher de Freya, et Freya devra, eh bien, enfin, elle sera complètement vaincue, mais surtout son esprit sera brisé par Loken, et elle errera tout simplement sans aucune forme de volonté propre à Ulduar. Elle deviendra une espèce de poupée vide, justement, de propre conscience et de volonté. Et Loken et Yogg-Saron veulent la garder pas loin, parce que c'est toujours intéressant d'avoir justement une influence de la nature. C'est d'ailleurs ce qui lui permettra, c'est une de ces raisons qui feront que, eh bien, à un moment donné, on pourra se servir de, que les dieux très anciens pourront essayer de corrompre la nature, et notamment beaucoup plus tard, et c'est un des éléments, il n'y a pas que ça, mais qui permettra justement aux dieux très anciens de pénétrer le rêve d'émeraude. Il n'y a pas que ça, encore une fois, on y reviendra plus tard. Le regard de notre cher Loken, le gentil, le bienveillant Loken, va se tourner vers les autres gardiens qui pourraient menacer son autorité, à savoir Raden. Raden qui est à Uldum, qui est dans le sud, et à ce moment-là, eh bien, il n'est pas content, il se dit « Raden est vraiment une menace pour moi ». Il envoie des troupes dans le sud, à Uldum, pour savoir où est Raden, ce que fait Raden, qu'est-ce qu'il mange à midi, et il va découvrir qu'en fait Raden, eh bien, il est tout aussi perturbé que lui-même. Puisque Raden n'a pas supporté justement les visions qu'il a reçues des titans, et il se rend compte en fait que si les titans ne répondent plus, c'est parce qu'ils sont morts. Et du coup, ça, Raden, il ne le supporte pas, un petit peu l'image de Loken. Raden ne le supporte pas, sauf que Loken, lui, il sait pas vraiment ce qui s'est passé. Raden, lui, bah, il a un petit peu enquêté, et il se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, et c'est pas rien. Donc il en est venu à la conclusion que ses parents étaient morts. Et ça, il n'y arrive pas, parce que sans ses parents, il se dit, mais en fait, à quoi ça sert? On a été créé pour pouvoir veiller sur Azeroth le temps que les titans reviennent, etc., pendant qu'ils trouvent le truc. S'ils sont morts, et s'ils ont été vaincus, surtout, mais nous, on n'a aucune chance, en fait. On est perdus. On est des enfants perdus, et rien ne pourra nous sauver. Donc ça, c'est terrible pour Raden, et il va complètement péter un boulon. Il va isoler le pouvoir qu'Amantul lui avait confié. Il va le sceller. Il va le sceller, tout simplement. Et il va donner des instructions à ses serviteurs, et il va se barrer, hein, il va tout simplement retourner en exil. Donc au final, Loken se rend compte que Raden ne sera pas du tout une menace. Donc il va se tourner vers les derniers gardiens qui pourraient encore le menacer, à savoir Tyr, Arkedas et notamment Ironaya. Le truc, Ironaya qui est l'un des rares personnes à ne pas avoir vu son nom traduit par la localisation française. Donc ça, je trouve ça incroyable. Arkedas, Tyr et Ironaya, eh bien, vont un temps lutter contre Loken. Mais Loken a des armées, il va se reforger plein d'armées. Donc c'est de plus en plus difficile de lui tenir tête et se rendre compte que ça va pas être possible. Tyr va essayer de s'entretenir justement avec Loken, qui va permettre à Arkedas d'aller voler les disques de Norganon. Alors les disques de Norganon, c'est quoi? Ce sont des disques qui permettent, eh bien, en fait c'est les archives que les gardiens entretiennent pour que un jour les titans reviennent et puissent lire ces disques et se tenir à jour de tout ce qui s'est passé sur Azeroth. Donc ils mettent la main sur les disques de Norganon et ils s'enfuient avec ça. Loken a été trompé et il est fou de rage, et il va envoyer tout simplement, eh bien, deux anciens ennemis des gardiens, à savoir deux généraux, Cetraxi. Ou Traxi, vous prononcez comme vous voulez, encore une fois, c'est du noir parlé, mais non, mauvais univers, mais c'est tout simplement la langue des dieux très anciens, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Si vous voulez dire, il est traqué par deux généraux Ski, bon, là on est un peu loin, mais ça peut passer. Du coup, eh bien, les deux généraux Cetraxi, qui sont deux des plus grands généraux de l'Empire Noir, Loken va les ressusciter, va les réveiller et va les envoyer à la poursuite de Tyr, d'Arkedas et de Ironaya. Tyr, en voyant justement qu'ils sont poursuivis, va se retourner et va dire « Fuyez les amis, je les retiens !» Et il ferait « Vous ne passerez pas !» avec son gros marteau. Le truc, c'est que les deux généraux Cetraxi, ça fait beaucoup. C'est quand même des gros morceaux pour imaginer des Mithrax, hein, si vous avez joué à Battle for Azeroth. Bah, c'est quand même pas de la tarte. Hein. Donc ces deux gros généraux, c'est des trucs normalement, il faut plusieurs gardiens pour pouvoir les vaincre. Et Tyr choisit... Alors, dans leur exode, dans leur exil, ils sont partis avec leurs serviteurs aussi. C'est pour ça qu'il n'est pas juste en mode « Bon, bah voilà, je veux faire le héros, je veux faire le bonhomme. » Il fait trop le pro. Non, non. Là en l'occurrence, c'est juste qu'il doit aussi sauver des familles de terrestres, de sauver des familles de... tous les serviteurs qu'ils ont emmenés avec lui, qui veulent fuir la perfidie de Loken. Et du coup, il veut leur faire gagner du temps, tout simplement. Et il veut vraiment qu'Arkedas puisse sauver les disques de Norganon pour savoir que les titans, pour que les titans sachent un jour ce qu'a fait Loken. Donc il va retenir les deux généraux Cetraxi.
Et dans ce combat, eh bien, il va réussir à en tuer un et il va gravement blesser l'autre qui va devoir fuir le combat. Le problème, c'est que dans cet ultime sacrifice, Tyr va perdre la vie. Et c'est ce qu'on appellera, c'est l'endroit qui sera nommé Tyr's Fall, l'endroit où Tyr est tombé, Tyr's Fall. Vous comprenez pourquoi maintenant on appelle ça Tyr's Fall. Donc, prononcez idéalement Tyr's Fall. Donc, dans leur exil, finalement, eh bien, Arkedas... et Ironaya rejoindront Uldaman. Ce sera leur, tout simplement leur repère, leur endroit, leur cachette, où ils essaieront de bloquer la volonté et l'emprise de Loken. Le problème, c'est que la malédiction de la chair a déjà commencé à envahir leurs propres serviteurs. Eux-mêmes sont affectés par la malédiction de la chair. Donc les terrestres, les mécagnomes et les véhicules qu'ils avaient emmenés avec eux, eh bien, vont petit à petit se transformer. Et ce sont, évidemment, comme vous l'avez compris, j'imagine, les ancêtres des humains, des nains et, bien sûr, des gnomes. Alors, pour les Vricools, c'est encore un peu différent. C'est la malédiction de la chair qui va faire en sorte que leurs enfants, une des générations d'après, va naître, chétive. Et ça sera un gros souci. Si vous voulez la suite concernant justement la transition entre Vricool et humanité, je vous laisse aller voir la vidéo sur la généalogie des humains. Maintenant vous avez un petit peu de plusieurs morceaux pour pouvoir comprendre un petit peu comment tout ça s'est créé, tout ça s'est passé. Donc je vous laisse aller voir la généalogie sur les humains. Et les Vricool justement qui ont suivi Tyr ont été honorés par son sacrifice et jurent solennellement de veiller sur les restes, la dépouille de Tyr. Et cet endroit sera une terre sacrée pour une bonne partie des Vricool, notamment ceux qui ont suivi Tyr, mais plus tard... d'autres Vricool qui emmèneront leurs enfants qui sont atteints par la malédiction de la chair pour justement trouver asile, refuge en ces terres, la Tyr's Fall bien sûr, l'endroit, les clairières, les montagnes où Tyr est tombé, et c'est plus tard là, on va dire un petit peu le berceau de l'humanité, ce seront les montagnes et les montagnes d'Alterac, les montagnes de Tyr's Fall et bien sûr les plaines verdoyantes où l'humanité plus tard bâtira de différentes civilisations. Ensuite, les gardiens survivants, parce qu'il en reste plus beaucoup, se retirent dans leurs différentes salles titaniques. Le truc, c'est que alors certains sont en exil, comme par exemple Raden, d'autres sont complètement brisés, comme Freya, d'autres sont en stase, comme Freya, mais c'était un exemple, hein, y a aussi Mimiron et d'autres, Thorim, etc. Certains sont en stase, comme Odir, d'autres ont été tués, bien sûr, hein, comme Sif et autres. D'autres sont en exil comme Elia, on l'a dit, Elia Odin qui sont Odin lui enfermé, Elia est dans son plan. Et au final, Loken à ce moment-là est en fait le grand vainqueur de cette bataille, le grand vainqueur de cette guerre de l'ordonnancement d'Azeroth. Et il décide de rester à Ulduar et de se cacher. Et de ne plus bouger. Il pourrait également libérer Yogg-Saron, puisqu'il est devenu la marionnette, le pantin de Yogg-Saron. Mais non. Et Yogg-Saron et les différents dieux très anciens vont commencer à s'agiter parce que sans la pression, sans la défense des gardiens, ils peuvent justement baisser un petit peu essayer de fragiliser la prison qui les retient. Alors pour K'tun, Nuzzat, ça se comprend tout à fait parce qu'ils n'ont pas de gardiens qui le contrôlent au-dessus d'eux, mais alors pour Yogg-Saron, pourquoi Loken, il ne se sert pas de Loken pour le libérer, là-dessus c'est un peu mystère, et c'est une intrigue qui a été créée à Wrath of the Lich King, donc peut-être que... C'est un début de raison, en mode... en fait, on sait pas. Voilà, c'est un peu le problème, Loken va rester inactif, il va rester totalement AFK pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années sans rien faire, alors que Yogg-Saron, il est tombé complètement sous la coupe de Yogg-Saron, il pourrait faire... Au moins, Yogg-Saron pourrait se servir de lui, même si Loken le libère pas directement, parce que dans un premier abord, il avait réussi à se protéger contre l'influence de Yogg-Saron, finalement, il a succombé. Donc... Même si, à la limite, il texto, Yogg-Saron lui dit « libère-moi » et Loken lui dit non, il peut encore une fois jouer avec l'esprit de Sif, etc. pour essayer de l'altérer. Mais non, aucune tentative, visiblement. Loken reste bien sage et ne libère pas Yogg-Saron, même si la prison se fragilise petit à petit. Mais ça durera beaucoup de temps, quand même, hein, avant que Yogg-Saron se libérera, en tout cas, jamais, en tout cas, pas jusqu'à Shadowlands. On a... Donc comme je l'ai dit, les gardiens qui se retirent et ils laissent la vie s'épanouir, la vie primordiale, la vie continue. Hein. J'avais Cholazar, le Val de l'Éternel Printemps et le cratère de N'Goro, et ainsi que les flots justement du puits d'éternité, la vie s'accélère magiquement et la croissance se fait petit à petit, de nouvelles espèces émergent, des anciennes disparaissent, de nouvelles apparaissent. Et au final, on va avoir les premières civilisations natives d'Azeroth qui vont émerger, comme vous le voyez à l'image. Zandalar et l'empire des Zandalari,
Mais ça, ce sera d'une autre partie, bien sûr, ce sera une autre vidéo. Après, vous pouvez déjà avoir quelques éléments avec la généalogie sur les trolls, mais également l'histoire de Zul'jin et des trolls. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je dois vous avouer que c'est pas forcément mon segment de l'histoire de Warcraft que je préfère. J'ai essayé d'être de narrer tout ça, de compter toutes les histoires, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal avec cette période de l'histoire de Warcraft, tout simplement parce que c'est quasiment totalement pompé sur l'histoire, sur la mythologie scandinave. Je veux dire, Odin qui s'est créé avec un Y au lieu d'un I. J'avoue que j'arrive pas à accrocher. Alors c'est subjectif, hein, je n'arrive pas à accrocher. Pour le coup, par contre, il y a un vrai problème avec le fait que Loken soit totalement FK à la fin Ulduar. Ça, c'est un énorme problème scénaristique pour le coup. Sinon, le reste se tient, hein, c'est la mythologie scandinave. Mais j'ai un petit peu de mal avec ça, ouais. Voilà, ce Ragnarok final où Loki tue son frère et va foutre le bordel chez les dieux. Enfin, voilà, j'ai un petit peu de mal. Surtout qu'à la fin, au final, Loki a gagné, mais au final, le monde va bien. C'est tout à fait normal. Donc voilà, les prochaines parties devraient être beaucoup plus intéressantes puisque il y a la généalogie sur les nains qui arrive. Il y aura également donc l'histoire de l'ancienne Kalimdor avec plus tard la guerre des anciens. Et ça, c'est des périodes, moi j'avoue, que je préfère largement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que c'est une période qui vous plaît? Est-ce que vous préférez celle d'avant? Est-ce que vous préférez celle d'après? Enfin, n'hésitez pas, voilà. Je fais plein de bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Au revoir! Au revoir, le Gorokat aussi. Et je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de l'heure et d'histoire. Avec cette petite musique, c'est toujours sympa. Voilà, bisous. YouTube, Facebook, tout ça, Twitter pour suivre l'actu. Plein de bisous.